Là, bonjour, petit fougeur de YouTube, on se retrouve pour une toute nouvelle VOD, un tout nouveau let's play de notre partie de Endless Space 2 avec le cœur ombral. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez, bah vous ne me voyez pas. En fait, il faut savoir qu'on est sur une toute nouvelle session de stream et malheureusement pour moi, j'ai des névralgies. Donc je suis de nouveau pas mal coincé au niveau de la nuque. Tout le week-end a été très compliqué et là, lundi matin, ça va pas bien, on va dire. Donc je me permets de ne pas afficher ma petite tête. Comme ça, je peux agoniser tranquillement dans mon fauteuil. Et vous ne voyez rien et c'est très bien. En plus j'ai un peu une petite migraine aussi à cause des douleurs de la névralgie. Donc bon voilà, je suis pas dans ma meilleure forme. Donc on va tranquillement continuer notre let's play, mais sans qu'on me voit. Et c'est pas grave normalement. Même avec un corps en bonne santé, on cherche toujours à en faire plus. Ouais, bon après moi je cherche pas à en faire plus, hein. J'avoue que j'aimerais juste ne pas avoir mal. Juste ça m'irait. Et bonjour à toi Galafara et bonjour à toi Octoven. J'espère que vous allez bien, vous vous portez bien aussi bien que possible en cette belle journée. Alors, nous en étions à... Nous sommes en guerre avec les United Empire, donc les fachos humains, qui sont principalement des fascistes. Hein, voilà, c'est vraiment des gens d'une qualité discutable, dirons-nous, qu'on n'apprécie pas trop. Qu'on apprécie pas trop du tout. Ceci dit, ils nous ont déclaré la guerre sans savoir où on est. Ils nous aiment pas, donc ils ont déclaré la guerre, mais le truc c'est qu'ils nous voient pas. Comme ils nous voient pas, bah nous on est globalement très bien. On est vraiment très 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 bien. Et là actuellement on est en train de les attaquer au fur et à mesure, de prendre du terrain chez eux, de venir voler leur planète. À côté de ça, on a vu qu'au nord on avait les persistants, qui sont donc des plantes fort sympathiques, qui sont tranquillement en train de prendre du territoire, de s'étendre, etc. On a également le peuple de la faille que nous avons repéré. Et nous avons un certain nombre de quêtes à faire. Un élément particulier qui est à prendre en compte, c'est que nous avons fini notre quête d'histoire. La quête de notre faction a été terminée. Et en l'occurrence, nous sommes arrivés donc sur la quête de notre faction à devoir choisir entre est-ce qu'on devient finalement un seul esprit dans plein de corps, tel qu'on est censé l'être, parce que c'est ce qu'est le cœur ombral à la base, mais qui a été fracturé par les événements s'étant passés, notamment dans la galaxie des Andes, ou alors est-ce qu'on part dans le sens inverse, on libère chacun des fragments qui deviennent des individus tous autant qu'elles sont, et comme ça on devient tout simplement un peuple, on n'est plus une personne, on n'est plus un individu, on est plein de gens. Nous avons choisi de devenir plein de gens, nous sommes désormais une multitude, le cœur ombral n'est plus une seule et même créature unique, nous sommes une quantité phénoménale de créatures diverses et variées, avec des objectifs divers et variés. À côté de ça, il se passe pas mal de gens, pas mal de trucs. On a des quêtes, on a notamment des quêtes d'histoire ici où il faut retracer les Armandless, les fameuses Armandless qui ont tiré apparemment à travers l'espace et le temps, enfin plutôt l'espace que le temps, sur des choses qu'on ne sait pas. Et on est en train de remonter la piste, on essaie de savoir un petit peu plus sur qu'est-ce qu'étaient les perdus, donc ces créatures sur lesquelles apparemment ils auraient tiré au milieu de nulle part dans l'espace. On est en train d'essayer de remonter la piste au fur et à mesure. On se rend compte également qu'au niveau de l'académie, il se passe des trucs un peu chelous. Donc on est en train d'étudier ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, on est censé aller analyser l'académie. Ça, en plus, en vrai, on peut le faire facilement. Enfin, en vrai, on a énormément de quêtes. En vrai, on a énormément de quêtes. C'est où, ça? Ah oui, on est tombé sur des pirates, c'est vrai. Nick. Tu vas où, toi? Ah bah toi, tu vas sur le territoire de l'académie, très bien. Là, j'ai une flotte, mais elle est pas pleine, je vais attendre. Pour l'instant, elle va attendre. Ah oui, et je peux peut-être faire des scans. Je peux probablement aller faire un peu d'espionnage. On a énormément de choses à faire dans ce jeu. Surtout que là, on a quand même pas mal de quêtes qui sont déclenchées à différents moments. Donc oui, clairement... Nous avons du zbol à faire. Nous avons du zbol à faire. Mais c'est pas plus mal. C'est très bien. Hop, ça oui, c'est fait. Un truc qui pourrait être bien, ça serait de TP notre territoire. Peut-être par là-bas. Ça pourrait être pas mal. Hein. En vrai. Ça pourrait être pas mal du tout.
déplacer notre territoire au fur et à mesure, ça pourrait être bien. Et je pense que je vais vouloir faire ça, en vrai. Je vais aller me déplacer ici, sur lui, en 10 tours en plus. Oh, ça va, en 10 tours, quoi. Adar, c'est où? Adar, c'est là. Donc quelqu'un est en train de remonter le piratage, mais le truc, c'est que j'aurais fini avant. Je crois que j'aurais fini avant. Ok, donc ça, c'est bon. Je peux le virer, je peux passer le tour. Je peux passer le tour. Très bien. Très bien, très bien. D'ailleurs, vous voyez qu'ici, à Corona, on est en train d'envahir. Un peu salement. Mais en même temps, les fachos ont foutu le zbeul, hein, donc ils méritent de se faire envahir. À un moment donné, cher. Hein. Bon, voilà. Hein. Toum. Ah, traçage hostile détecté, forcément. Bon, Osef. Ici, je peux créer... je peux créer un magnifique sanctuaire. Moi, c'est ce que je veux. Moi, je veux toujours créer des sanctuaires. On a été repéré par l'Empire de la Faille. Alors, c'est soit un virus, soit c'est de l'alcool. Au choix. Le peuple de la Faille nous a vus. Il sait que nous existons. Et que nous sommes là. On va continuer à améliorer nos flottes. Hein. Hop. Fury Panda, tu vas continuer à améliorer les systèmes. Ok. Très bien. Nous avons ici toi. Hop, tu crées, tu fusionnes. Il nous reste encore quelques flottes à attendre. Mais Soon TM. Soon TM. D'ailleurs, toi, t'es en train d'avancer. Ouais, t'es là. T'es en plein milieu de nulle part en train d'avancer. C'est très cool. Continue. Continue, continue. Ah, ils ont relié ça, les persistants. Parce que là, du coup, je suis en train d'arriver par là, puis par là. Alors, ceci dit, les persistants, autant ils possèdent le territoire, parce qu'on voit qu'ils ont les racines tout autour. Autant la question qui se pose, c'est est-ce qu'ils peuvent remonter un traçage, sachant qu'il n'y a pas de colonie dedans? Et ça, je suis pas sûr. Je pense que même si techniquement ça appartient au persistant parce qu'il a mis les racines dessus, je pense que pour le coup, ça n'a pas de, ça ne pose pas de problème sur le fait de passer dedans avec un piratage. Système oisif. Ah, oh, ah. Alors attendez, je peux peut-être acheter de quoi faire. Ah non, merde, il a pas d'adamantium. Nick. Bah alors attendez, il manque des trucs. 6, 7, 8. 6, 7, 8. Voilà, très bien. Et je peux rien faire d'autre de toute manière pour l'instant, donc on est obligé de rester là-dessus. On est obligé de rester là-dessus. Par contre, en termes de techno, va falloir débloquer des trucs, hein. Va falloir débloquer des trucs parce que là du coup bah... Après je peux le mettre en production de science en vrai. Rien ne m'empêche de le mettre en production de science en fait. Parce que pour le coup on va plutôt violemment en termes de prod. En même temps on a 40 pélos sur le système. On produit quasiment... enfin on produit 2700. 2700 d'industrie les gens. C'est énorme. C'est énorme. On peut pas créer de sanctuaire. Merde. Mais c'est où? Pourquoi je peux pas créer de sanctuaire? Vous ne pouvez pas créer de nouveau sanctuaire sur une colonie à moins de posséder au moins deux infiltrés sur place. Ah! Oh, d'accord. Donc... Quand je ne suis pas la première personne à y mettre un sanctuaire, faut d'abord que je mette un infiltré. Enfin, faut que j'en mette deux. Et ensuite seulement, je peux aller... Oh. Bah non, vous pouvez pas fusionner. On va aller des mini-billy. Et seulement après, du coup, je peux en faire un sanctuaire. C'est intéressant à savoir. Je savais pas que ça marchait comme ça. C'est intéressant à savoir. L'église insiste pour que vous cessiez d'attaquer nos flottes et nos systèmes. Je refuse. Bisous.
On en est où ici en termes d'invasion? Chut. Plus que 800. J'ai 2600. Ouais, en vrai, vous savez quoi? On va envahir. On y va comme des bourrins. Le but du jeu, c'est de tuer sa pop. Enfin, sa pop, ses militaires. Ah putain, il a plutôt bien tenu. Hein. Il a plutôt bien tenu. Non, mais en vrai, je pense que je vais continuer. Il va tomber au fur et à mesure quand même. D'ailleurs, ça me fait penser à un autre truc, c'est que je n'ai absolument pas géré ici mes troupes militaires. Je n'ai absolument pas géré la répartition. On va dire 40-70. Hein. Ça me semble bien, 42 blindés. Allez, on valide. On valide. J'aurais dû le faire plus tôt. J'aurais dû le faire plus tôt. Hop, ça. On se croit là, on fusionne. On a une nouvelle flotte à Donf. On a une nouvelle flotte à Donf. Alors après, c'est une flotte que d'exploration. Il n'y a strictement aucun module militaire dessus. Et c'est un problème. Monsieur Chat, tu te plais. Les griffes, quoi. Monsieur Chat. Ça suffit les griffes sur le canapé. Qu'est relou. Où est-ce que je t'envoie, toi? Où est-ce que je t'envoie? Est-ce qu'on a des endroits où on est censé aller voir? Explorer ce qui reste du site. Oui, c'est là où on a vu qu'il y avait une flotte militaire. Donc en vrai, il faut que j'envoie une flotte militaire. Pour l'instant, j'en ai pas. Ça ne me sert à rien. Toi. Voilà, je vais envoyer un Jean-Michel s'occuper de ça. Alors, est-ce que je vois des endroits pas loin? Oui, voilà. Ici, allez. Tu vas aller sur Phaéton. Puis en plus, t'as l'air de te déplacer pas mal vite. Plutôt cool. Plutôt cool. Ok. Par contre, là, je ne peux rien faire. Je suis toujours coincé. Toujours coincé parce que j'ai pas les ressources qu'il me faut ici pour pouvoir tout simplement produire la merveille. Et je présume qu'il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas en vente. D'ailleurs, toi, tu vas à coup de 5. Donc, dans 2 tours, tu es prêt. Alors que toi, tu vas à coup de 2. Donc, tu vas devoir un petit peu en acheter. Tac, voilà. Comme ça, on sera bien. Dans 2 tours, on pourra. En attendant, je vais te demander de produire de la science. Je vais te demander de produire un peu de science. Pas trop le choix pour le coup. Je pense que ça fera du bien. De toute manière, produire un peu plus de science ne peut être jamais une mauvaise chose. Jamais. Un autre truc que j'ai pas fait, c'est développer le commerce. Développer ma succursale commerciale. Ça pourrait être un très 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 bon plan. En vrai de vrai, faudrait que je le booste. Que j'aille regarder ça. Ok, on a débloqué des choses, très bien. On a une bataille au sol qui est déjà un peu plus à égalité. On y va, go. Comment ça se passe cette fois-ci? Défaite mineure, mais je réduis sa population et j'ai encore du stock. Et bonjour Ultra Cute, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Effectivement, j'ai mis à jour un petit peu les choses. Oh, j'ai rencontré les Céphaloros. Qu'est-ce que les Céphaloros? Ces êtres inhabituels se sont développés dans un milieu marin riche en métaux. Pour avoir rapidement maîtrisé des outils, ils s'imposèrent comme espèce dominante dans leur environnement. Mais leur développement les poussa bientôt à utiliser d'autres créatures marines comme outils, car la manipulation du métal est difficile sous l'eau. Bien que ce soit des bâtisseurs et des techniciens hors pair, l'essentiel de leur infrastructure est donc tressé, moulé ou sécrété. Très bien. Soit. Nous avons découvert Auriga. Auriga, la planète incroyable sur laquelle se passent les événements de Dungeon of the Endless ou Endless Legend, a été découvert. C'est une très belle planète, très importante, qui permet pas mal de faire de la science aussi, et du point de vue du lore, encore une fois, qui est ultra importante. Cette planète verdoyante était un laboratoire biologique des Andes concrets qui menèrent de nombreuses expériences sur les formes de vie indigènes ou étrangères. Théâtre de vastes conflits pendant les guerres de la brume, son environnement se dégrada et sa surface se couvrit de glace. Si l'on raconte parfois que des expéditions ont découvert de miraculeuses ruines et les vestiges de grands empires, Auriga n'est aujourd'hui qu'un mausolée glacé. On l'a découvert à quel endroit? Ah, juste à côté de l'académie. Très bien. C'est l'académie ça? Ouais, c'est bien. C'est bien ce que je pensais, c'est l'académie.
Ok. Ici, votre population du cœur ombral était si impatiente d'entrer en contact avec l'académie qu'elle a modifié certains appareils de dissimulation pour rendre les moteurs plus efficaces. Maintenant que sa curiosité est assouvie, elle est prête à partager ses connaissances nouvelles avec vos programmateurs. Avec vos programmeurs, pardon. On a débloqué une amélioration d'Empire, plus 2 points de déplacement sur vaisseau. Allez. Une quête a été validée. Ceci dit... Donc là, il y en a... Est-ce qu'il n'y en a pas un pas loin de moi? Enfin, de là où il y a ma flotte actuellement. Ouais, c'est celle-là la plus proche. C'est celle-là la plus proche. Je vais envoyer un peu des sondes, parce que c'est pas que j'en ai à plein, mais j'en ai plein. Hop, donc on va se permettre d'envoyer un petit peu des sondes en mode « Vas-y, explore un peu tout ce qui est autour de moi. Fais-toi plaise. » D'ailleurs, même là, hein. Je sais pas combien j'en ai en stock, hein, mais beaucoup a priori. Il m'en reste encore 21. PTDR. Écoute, on va aller voir le système de Dobrynia. Ça me semble bien. On va aller voir là-bas. On va aller voir là-bas. Je peux faire la merveille. Ça y est. Je peux lancer la production de la merveille. Donc on va aller faire ça très vite. Hop, ça lagouille un petit peu pendant que y a le passage de tour. Et bonjour Raving Bell, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien aussi bien que possible dans cette belle journée. Nous avons débloqué des coques de vaisseaux. Ah, on va pouvoir avoir des vaisseaux militaires, ça y est, enfin. Épistis, il ne reste presque rien des créateurs des Épistis, une race éteinte depuis plusieurs millénaires. Ce que l'on sait en revanche, c'est que les Épistis furent certainement créés comme gardiens planétaires, chargés de protéger la fragile écologie de leur monde natal par une défense agressive de sa nature et le recyclage de matériaux abandonnés. On ignore si une corruption de cet impératif aurait poussé les Épistis à se retourner contre leur créateur, mais il est en revanche certain qu'une situation fanatique et dangereuse, constituée de machines de guerre recyclées, est prête à écraser tous ceux qui se dresseront sur sa route. En vrai, les Épistis, si tu pouvais les jouer en mode faction principale, faction majeure, ça pourrait être tellement drôle. Genre des robots écologistes, mais fanatiquement écologistes vénères. Ça peut être incroyable. Ça peut être incroyable. C'est comme les Sower à l'époque dans Endless 1. En Endless Space 1, j'adorais les Sower qui sont plus disponibles en tant que faction principale. Et je trouve ça trop triste parce que je les aimais énormément. Hop. Égalité, mais je continue à ratiboiser peu à peu cette faction. Oui, toi t'es pas content. Oui, vous voyez que je vous fais peur. Toi tu me fermes les frontières, très bien si tu veux. C'est-à-dire que je suis furtivité, donc en fait, Osef quoi. Osef. Je peux lancer la merveille. Parfait. Je peux lancer la merveille qui ne prend que 4 tours. Ce qui est quand même très drôle. Ici. Ah non, quelqu'un l'a fait à ma place. Quelqu'un l'a exploré juste avant moi. Oh la saleté. Ah la saleté, il l'a exploré juste avant moi. Bon bah on va aller voir à côté. On va aller voir à côté, hein, tant pis. Tant pis, tant pis. Faut que je fasse des plans de vaisseau. Puisque du coup j'ai gentiment débloqué ici un plan de vaisseau, c'est magnifique, c'est incroyable. Mais on va vouloir... on va vouloir faire des nouveaux. Le plan du contre-temps. Hop, pardon, c'était pas cette touche-là. Voilà. Très classe, ceci dit. Très sympa. Est-ce que le mal de crâne se dissipe? Voilà. Ça répond à ta question ou pas? Et bonjour, Eleonore. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien aussi bien que possible en cette belle journée. Attaquant, le rôle de ce vaisseau est d'infliger des dégâts énormes à l'ennemi à portée courte et moyenne. Cible principale, les vaisseaux protecteurs et coordinateurs. Cible secondaire, les vaisseaux transporteurs. Alors, déjà, je veux déplacement amélioré, Jean-Paul. Ensuite, bonus de flotte dissimulé par tour. Ça m'a l'air très bien. Ça m'a l'air très bien en vrai. Je pense qu'on va faire de la recherche. On aime la recherche. Ça c'est quoi? Non. Ici on veut de la protection, on va mettre de la protection renforcée. Et alors ici, moi je suis que à la nacelle d'abordage.
J'aime l'abordage. J'aime beaucoup l'abordage. On va aborder les gens. Et bonjour Carteg, j'espère que tu vas bien, tu te portes bien, c'est bien que possible en cette belle journée. Vous savez, le mal de tête, ça va, en vrai. J'ai connu pire. Mon point principal, c'est plutôt la névralgie, en fait, qui fait que j'ai tout le haut du dos qui est coincé. Et en fait, c'est la névralgie qui déclenche le mal de crâne. C'est ça qui me détruit, en fait, pour le coup. Ici, on va remettre de la science, hein. Toujours bien de mettre de la science, plus de science. More science. More science everywhere. Et pareil ici, nacelle d'abordage, hein. C'est quoi ton rôle à toi, protecteur? Le rôle de ce vaisseau est d'assister les autres vaisseaux au combat. Ah, parce que tu peux mettre des modules qui vont avoir des effets. D'accord, très bien. Oui, obviously. Genre de la réparation, genre des bonus de PV, etc, etc. Ouais, ça fait sens. Ça fait sens, mais je pense qu'on s'en fout. Je pense que je vais le laisser comme ça. Oui, j'ai très régulièrement des névralgies, en fait. Ah, bah... On est d'accord que l'alerte s'est pas déclenchée. On est d'accord qu'il n'y a pas eu l'alerte qui s'est déclenchée. Ou alors je l'ai vraiment zappé, je l'ai pas entendu. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Attendez. Oui, il n'y a pas eu. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu me fais, toi? Attendez, je vais retenter. Je vais prendre n'importe quelle alerte, allez, tiens. Bah. J'en ai déclenché une au pif, hein, parce que l'autre elle a un timer. Je sais pas pourquoi, ça s'est pas déclenché. Mais du coup, oui, je l'ai vu maintenant. Je l'ai vu maintenant. Je bois un coup. À la vôtre. Voilà. Ça y est, j'ai bu. Donc là, ça y est, les plans de vaisseau sont modifiés. Ça, c'est bien. Donc ici je suis en train de faire une méga structure, je suis en train de faire le bureau de validation commerciale afin d'appliquer les contrôles et réglementations nécessaires dans les activités des innombrables marchés financiers et de commodités. Un bureau central gigantesque à liaison quantique intergalactique est nécessaire pour que le commerce soit exécuté rapidement, équitablement et légalement autant que faire se peut. L'avantage est que quiconque contrôle ce centre a la liberté de déterminer et de prélever des taxes, ce qui sera nécessaire pour équilibrer le coût de sa construction. Effet, plus 50 de production de prumes, plus 100% de valeur commerciale du système planétaire, ne peut être construit qu'une seule fois par galaxie, ne peut pas être déplacé avec une arche, permet de déterminer et de prélever des taxes sur les marchés et d'autres infos d'initiés sur l'identité des acheteurs et des vendeurs. En gros, je suis les douanes. Voilà, voilà. Et c'est très bien. Ici, du coup, réfléchissons. 18, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17, 18. Voilà, comme ça. Ça sera très bien. Good? Good. Allez, on passe. Oh, j'ai pas relancé d'infiltration et tout. J'ai oublié. Faut que je refasse de l'infiltration sur Graphias. Affiche le nombre d'infiltrés dans la population de ce système. Avoir au moins un infiltré vous permet de voir ce qui se passe. Oui, oui. Ok. Très bien. Évolution d'Empire de niveau 4. Promoteur de la diversité. Soyez le premier à voter une loi de chacun des 6 partis politiques au début de la partie. Ouais, bon. Un jour peut-être. Ah, je vais bientôt perdre ma flotte de guerre. Vite, on bourre. C'est le moment ou jamais. Le temps est manipulé dans IR. D'accord. Ok. Du coup, ici... Ah oui, j'ai complètement oublié d'envoyer un deuxième... ouais, on va faire ça de suite. Hein. Et... Là, en 5 tours, c'est chaud. J'ai peut-être pas envie de le tester. J'ai même clairement pas envie de le tenter, en vrai. Hmm.
je vois pas ce système là. C'est marrant, je suis jamais allé suffisamment près pour voir ce système là. C'est rigolo ça. C'est rigolo ça. Je suis jamais passé assez près. Tant pis. Ah oui, et toi bah du coup go. Je sais qu'il y a un système là, mais je peux pas aller le prendre. C'est une blague. Hein. Hop, j'envoie des petites sondes. Je veux tout voir. Je veux tout voir autour de moi. Libérez la visibilité, s'il vous plaît. Mais en vrai, toi, tu vas attendre. Hein. Toi, en vrai, tu vas attendre. Tu vas rester là. Tu vas pas bouger. On va attendre un tout petit peu. On va attendre un tout petit peu. Ok. Ok, ok. Est-ce que j'ai autre chose à faire que je réfléchisse? J'ai relancé les scans. J'en ai relancé qu'un. J'en ai relancé qu'un. Donc, je peux lancer un scan quelque part pour aller plus loin. En vrai, de Lupus jusque-là, ça peut être un bon plan. Tac. Je vais essayer de mettre un TP par ici. Au fur et à mesure, je vais mettre quelques TP, histoire de pouvoir me déplacer au fur et à mesure de plus en plus loin. Allez, je passe le tour. Je passe le tour. Boum. Faut que j'aille faire une flotte de guerre pour m'occuper de Carius aussi. Hein. Un jour, ça serait bien. Un jour, ce serait bien. Les choses se déplacent et s'avancent au fur et à mesure et c'est plutôt cool. Ok, je regarderai les quêtes, hein. Je vais regarder les quêtes. Toi, ça y est, tu vois le système de Fatia, tu peux y aller. S'il te plaît. Ah, j'ai pas sélectionné la flotte, du coup ça marche moins bien. Oupsie. Hop, bonjour. Ici, il y a donc à Fatia des anomalies que l'on veut étudier. Du titane. De la Jadonix, de la brume, du titane, un événement, et il me reste deux anomalies. Amélioration de titane, atmosphère dense, parfait. Ça, c'est là où on fait un assaut. On continue, on bourre. Victoire mineure, encore un tour, et on aura gagné. Ici. Je peux m'en foutre. Ici, je peux m'en foutre. Là, Exantix a gagné un niveau. Bah oui, hein, plus de déplacement, plus de portée, hein, c'est toujours bien. Hop, donc ça je m'en fous. Ça, je peux le virer. Et ça, ici. Pour reconnaître qu'il est rare que des flottes de héros cherchent à être attaquées. Espérant que votre héros en tire une quelconque expérience, que ça n'a pas énervé l'académie. Objectif raté. Il fallait tuer 3 flottes ennemies qui baladaient dans l'espace. Et clairement, j'en avais rien à péter, rien à foutre. Vraiment, OSEF complet et total. Et ici, on a un événement à table. Vous entrez dans l'atmosphère de cette planète pour découvrir un spectacle époustouflant. Un vol migratoire de créatures volantes gigantesques flottant dans les airs comme une flotte de dirigeables. Votre émerveillement se mue toutefois en peur lorsque les mêmes créatures se fixent à la coque de vos vaisseaux. Le choc de leurs mandibules contre le métal des coques résonne dans les compartiments. Fear, 70 de capacité de bouclier sur vaisseau sur Galison premier écho et moins 2 de points de déplacement. Vous donnez l'ordre de fuir la planète au plus vite, mais les créatures restent en place un certain temps. Si ces créatures énormes sont bien les parasites que vous imaginez, vous tremblez en pensant à la taille de leur proie habituelle. Ah. Ah. Cette planète a l'air sympa. Et ici, pareil, à Nice, nous avons une petite anomalie à étudier. Et nous avons découvert de l'hyperium. Très bien. Il reste par là encore un truc. Ok. Et bah, en vrai, il va falloir que j'aille par là. Je vais t'envoyer par ici. Et toi, en vrai, tu vas envoyer de la sonde hein, partout. Hein. Envoie de la sonde. Fais-toi plaise. C'est pas comme si j'en avais plein des sondes. Ok. Très bien. Ah oh bah d'ailleurs, par là. Ce serait peut-être bien que je vois celle-là un jour. Et on va se déplacer par ici. Et bonjour Nils. J'espère que tu vas bien. Que tu te portes bien aussi bien que possible dans cette belle journée.
Ok. Ici, ça avance, ça fait ce qu'il faut. Très bien. La merveille, il lui reste 2 tours. Ça avance petit à petit. Bientôt, elle sera validée. Bientôt, elle sera validée. Est-ce qu'on voit le chat en dessous? Il n'y a pas de chat. Ah bah non, il y a un gros chat derrière moi qui en a rien à foutre. Ah là 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 là. Ça me tue, hein. Bon, après, le coin 4 cam que j'ai fait du coup ce week-end est beaucoup plus adapté parce qu'en fait, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est les chats qui l'utilisent comme un coin 4 cam. C'est le coin des chats, donc finalement, j'ai juste déplacé la caméra au bon endroit et là, je sais que maintenant, je pourrais les avoir. Infiltrer un agent. Oui. Confirmer le choix, merci. Ça a galéré un petit peu. Ok, ici, on envahit. Égalité, t'es toujours pas tombé. Quel enfer. 50% de la galaxie a été explorée. Très bien. Ouais, il y a des chats, mais ils se planquent, ils abusent. Jean-Mi à level up. Jean-Mi, mon loulou, qu'est-ce que je vais te mettre? 3 portées de vision, c'est bien. 3 portées de vision, c'est pas mal du tout. En vrai. Ouais. Portée de vision. Je veux que tu vois les choses autour de toi. Ok. Hop. Très bien. Donc, maintenant, ici, je peux renvoyer encore une fois, gentiment, un petit... comment ça s'appelle ? Piratage, mais cette fois-ci, je pourrais faire un sanctuaire. Toi, ici, bah, tu vas venir là. Punk, bonjour. Et puis, pareil, on renvoie hein, des petites sondes au fur et à mesure. C'est-à-dire que j'en fais tellement des sondes par tour avec ces flottes que, en vrai, YOLO, quoi. En vrai, gros YOLO, quoi. Je veux avoir une visibilité. I see all. Voilà, très bien. Parfait. Vraiment, le but du jeu, là, de ces flottes, c'est que je vois tout. Que je puisse voir tout. Ok. Toi, t'es en train de te déplacer, c'est très bien. Ah tiens, il y avait un TP ici. Ah, oh, j'aurais pu prendre le TP peut-être pour monter par là-haut. Dommage. C'est pas grave. Je voulais faire autre chose. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, il faudrait que j'achète un héros par contre. Il faudrait que j'achète un héros parce que là, vous voyez que j'ai des héros. Et en fait, je pense que Fury Panda, je vais peut-être vouloir le remplacer par un héros vraiment spécialisé pour la production en système. Et Fury Panda, plutôt le faire passer sur une gestion de flotte. En vrai, ça me semblerait pas déconnant. Donc, on va venir voir les héros ici. Tac. J'en ai rien à secouer, je suis anarchiste et je voudrais foutre en l'air toute la société capitaliste. Oui, en effet. Bonjour Sensei. J'espère que tu vas bien. Tu te portes bien, aussi bien que possible en tout cas en cette belle journée. Je peux voir les niveaux de héros. Alors attendez, ce qui m'intéresse moi c'est travail et intelligence. Travail et intelligence, c'est ce qu'il faut que j'ai le max. Waouh! Alors lui il a 20. Il a 20 en travail. Je vous avoue que c'est très tentant. Je vous avoue que c'est très tentant. Ah, il a 18. Ah, c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Toi t'as 17 et t'as 8. Pas mal quand même. C'est pas mal quand même. C'est assez tentant. C'est assez tentant. J'hésite entre, du coup, Baramaxa, Ima Naratia ou For Sagag Jabal. Un des trois sera clairement celui que je vais prendre. Mais alors lequel des trois? Lui est déjà niveau 2.
Lui, il est déjà niveau 2, éventuellement. J'adore les persistants. Ils sont magnifiques, les persistants. Oh, mais 20 en industrie, c'est quand même tellement énorme. Genre PTDR, quoi. Réfléchissons. Qu'est-ce que je vais prendre? Je pense que je vais prendre lui. Je pense que je vais prendre Baramaxa. Ça me semble le plus important, le plus pertinent. Parce qu'en fait, c'est lui qui a le plus de points sur les deux stats qui m'intéressent. Et il coûte pas très cher. Donc ça sera lui, notre nouveau héros. Bonjour. On va renommer ce héros. Qui, dans le chat, veut être le nouveau héros? La première personne qui dit « Moi, je veux ». « Moi, je veux ». Précisément, ce sera la personne choisie. Et ben, ça sera Éléonore. Éléonore. Tu es désormais un incroyable héros. Et je vais te mettre ici. Hop. Tu es là. Éléonore, désormais héros du système principal. Et Fury Panda va du coup passer sur un héros. Oui, je sais, tu n'es pas affecté. Va passer sur la flotte qu'on va construire à partir de maintenant sur le système de notre. Voilà, il y a déjà 4 vaisseaux de guerre qui ont été faits. Très bien. Dommage, je suis trop lente au clavier. Désolé, Raving Bell. Désolé. En vrai, t'étais juste contraint vraiment à très très peu. Très très peu. Hein. Tu as failli pouvoir être le héros. Il n'était pas loin. Oui, je sais. Objectif atteint, nous avons construit le bureau de validation commerciale. Et ici, on va passer sur du bombardement préventif. Le but du jeu étant de bien éliminer... voilà. Allez, prochain tour, on gagne, normalement. Enfin. Et du coup, Éléonore a gagné 5 niveaux d'un coup. PTDR. Hop, industrie, c'est bien. Ensuite, production de nourriture. Bah, production de nourriture en pourcentage, c'est plus intéressant. Industrie, clairement. Voilà, parfait. Très bien. Vous ici, on crée une flotte. Et vous ici, on vient mettre, du coup, incroyablement Fury Panda. Fury Panda qui, du coup, n'a jamais eu son vaisseau customisé. Donc, on vient gentiment dire, en fait, vaisseau customisé. Hop. T'as pas mal d'emplacements de modules, d'ailleurs, Fury Panda. Assez impressionnant. On va dire, ça, c'est très bien. Et ça, c'est quoi? Point de déplacement de flotte. Ah, bah, c'est oui. Allez. La flotte qui se déplace plus me semble une fort bonne chose. Ensuite. Tac. Ensuite, tac, très bien, et on valide, parfait. D'ailleurs, mes autres flottes sont loin, mais il faudrait que j'améliore peu à peu les vaisseaux de à peu près tout le monde pour qu'ils aient de l'abordage, parce que j'aime l'abordage beaucoup. Le parti pacifiste semble être en tête, incroyable. D'ailleurs, maintenant, je suis plus à 18, je suis à 20, tiens. Donc on va rajouter, hop, j'ai découvert des choses à des endroits incroyables. Toi ici, comme d'hab, on envoie de la sonde dans tous les sens. On veut explorer à balles tout ce qu'il y a autour de nous. Je veux tout voir. Hop, voilà, parfait. J'ai un objectif de quête qui est, je sais plus où, qui est là. Donc on va aller vers Neckar. Voilà, peu à peu on va se déplacer. Hein. Toi t'es en attente mais c'est normal. Et je passe. Allez. Ah, oh, j'ai pas regardé pour lancer du hacking. Mais je crois qu'on était bon.
crois qu'on était bon. De nouveau, on a des technologies qui prennent du temps à se développer. Moi, je veux de l'industrie, toujours plus d'industrie. Allez, vive l'industrie. Ok, ici, normalement, on gagne cette fois-ci. Voilà, victoire décisive. Merci. J'ai découvert les pulsos. L'harmonie, une espèce composée de cristaux conscients, traverse l'univers à la recherche de son noyau mystique. En phase avec les ondes et les radiations, leur voyage fut interrompu par la confusion que la brume fit naître dans leur corps et leur sens. L'essentiel de l'harmonie s'efforce de quitter cette galaxie souillée par la brume pour poursuivre sa quête. Mais les pulsos sont un sous-groupe infecté par la brume qui a décidé de rester et d'étudier ce mystérieux phénomène. Ok. J'ai découvert la planète Theona. Planète d'origine de l'étrange race appelée les Bagaba, une intelligence artificielle décentralisée dont les calculs sont menés grâce au mouvement aléatoire des pierres, des rochers, des grains de sable sur cette planète atoll. Ah, à 13 minutes. J'en ai rien à secouer, je suis anarchiste et je voudrais foutre en l'air. Par contre, j'ai mal au crâne, les gens. Si on peut éviter de trop spam les trucs, ça m'arrangerait quand même. Je vous avoue que n'importe quel autre jour, ça me dérange pas trop, hein. Mais aujourd'hui, avec ma migraine, si on peut éviter, je vous en remercierai assez, assez fort. Du coup, j'en étais où? Je ne sais plus. Je ne sais plus où est-ce que j'en étais. J'ai tellement de retard sur la vidéo, à ce point-là. Parfois, il faut faire un F5 avec Twitch et ça remet normalement, il y a quelque chose comme grand maximum 4 à 5 secondes de décalage entre ce que moi j'aimais et ce que vous voyez. Enfin, vous en voyez, entendez. Normalement, il n'y a pas plus parce que la latence, je l'ai mis en faible. Mais potentiellement, il y a parfois du décalage qui peut se faire du côté des viewers. Donc parfois, un petit F5 et ça vous recale bien. Ça vous recale bien. Du coup, je ne sais plus où est-ce que j'en étais. Le réchauffement et le refroidissement des courants océaniques avec les marées et les mouvements climatiques transforment ces éléments naturels en relais interrupteurs naturels. Ceci transforme à son tour la planète en un ordinateur géant doué de raison et de réflexion. L'existence même de cette planète a motivé de nombreux débats philosophiques et religieux car il ne peut s'agir que de l'œuvre d'un être supérieur ou la preuve irréfutable qu'il ne peut pas exister. Rigolo ça. Nous avons également découvert la planète Uchi, foyer de l'empire Inakayo, les Iso. La planète d'origine des Iso est chaude et rocailleuse, mais pleine de jungles humides. Bien que les hauteurs soient arides, les vallées et les océans de la planète forment un habitat forestier dense et riche en vie, et donc en proie. Ces conditions difficiles ont rendu les Iso endurants et stoïques, qu'ils méditent dans un temple taillé à flanc de montagne ou chassent dans les forêts denses. Le terrain accidenté se prête au développement du clan. Et de la famille en tant que structure sociale et politique, et même aujourd'hui, à leur regard se porte sur les étoiles, et Iso reste lié par d'ancestrales loyautés. Très bien. Ici, système capturé, et ben, je peux faire quoi? Vous allez raser ce système et transformer les planètes anciennement colonisées en sanctuaires. Ah, oh, c'est sale. Mais fais-toi des Iso. Et elle n'aime pas ce qu'on ne voit pas. non, mais il n'y a pas de mal, je sais que vous y pensez pas forcément. C'est pas indiqué dans le titre du live ou quoi, que j'ai une grosse migraine, etc. Donc vous pouvez pas. Vous pouvez pas savoir. Il n'y a pas de problème. Bonjour Braxas. J'espère que ça va bien aujourd'hui. Que tu te portes bien. Si bien que possible. Enlèvement, vous allez enlever le système et ses habitants. 0 infiltrés disparaîtront, 0 deviendront des populations d'ombre ombrale. Vos flottes militaires en orbite autour du système perdront tous leurs points de déplacement restants. La manœuvre du système sera établie à 50% de son maximum. Ouais, non, moi ça m'intéresse pas. Érasé, le système sera transformé en champ de ruines et perdra la population et des bâtiments au fil du temps. Non, moi je vais purger. Parce qu'en fait, ça me permet de faire des sanctuaires, etc. partout. Voilà. On va se placer bien comme il faut. Faction assimilée, très bien. Donc là, en gros, qu'est-ce qui se passe? J'ai récupéré le système de Corona. Et en fait, comme je ne peux pas avoir de système, comme je ne peux pas les posséder, concrètement, la manière où mécaniquement ça se fait, c'est que j'enlève toute la population et je la transforme en fait en population à moi.
Et bah, les autres planètes ne sont plus des colonies, mais deviennent des sanctuaires. Hop, et vous, je vais vous renvoyer ici. Tu es en dissimulé et tu viens là. Ok. Parfait. Toi, tu t'attaques à Jean-Eude. Coucou Jean-Eude. Bisous. J'espère que ton mal de crâne va passer. Il y a peu de chances qu'il passe tout seul parce qu'en fait c'est les névralgies qui le déclenchent. Donc tant que je resterai coincé, bah, je pense que ça ne va pas beaucoup bouger. Malheureusement, ça ne va pas beaucoup bouger. Mais c'est pas grave. Encore une fois, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. J'ai un peu l'habitude à force. C'est pas quelque chose qui arrive pour la première fois. Et ça sera malheureusement pas la dernière fois non plus. Vous ici... Oh, Andromeda, tiens. Il y a un système qui s'appelle Andromeda qui est possédé par la... Ah, parce qu'il doit y avoir les... Il doit y avoir les Nakalim dans le coin. Il doit y avoir les Nakalim dans le coin. Bah toi, en vrai, tu vas venir là. Coucou. Et bon, déjà je vais nettoyer le système parce que je vois qu'il y a des anomalies à étudier, donc voilà, je me permets, on va faire ça viteuf. On trouve tout un tas de trucs, c'est magnifique, et surtout derrière je vais lancer pas mal de sons d'exploration. Hein. On va lancer pas mal de sons d'exploration dans tous les sens, allez. Je veux une visibilité totale, je veux tout voir. Voilà, truc comme ça, c'est pas si mal. Et bonjour Fred, non c'est pas grave de rater le 13-12. Ne faites pas exploser mon crâne s'il vous plaît. J'ai assez mal à la tête comme ça. On n'est pas obligé. Ici, je vais m'avancer vers là en vrai. Je vais m'avancer vers ici. Je sais pas à quel point je vais aller loin. Je vais jusque là, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Ok. Ok, on est déjà pas trop mal. Au fur et à mesure, je me rapproche de ma quête. Hein. Ma quête qui est ici. Hein. Petit à petit, morceau par morceau, je m'en rapproche. Créer. Hop, fusionner. Très bien. Ici, d'ailleurs, est-ce que j'ai pas débloqué des bâtiments un petit peu? Bah, si, c'est bien ça. Ouais, voilà, on va faire des petits bâtiments. Des petits bâtiments. Ça peut pas faire de mal. Ça ne peut pas faire de mal. On continue à passer. Ah, 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 scan. Effectivement, je peux aller produire des sanctuaires en plus par ici. D'ailleurs, en termes de sanctuaires, je suis comment? Je suis à 16 sur 10. Ils sont pas la joie. Et effectivement, je suis à 28%. Je suis assez mécontent. Ah bah oui, parce que j'ai récupéré les planètes de l'autre système. Je viens de récupérer les planètes du système que j'ai envahi, donc forcément ça me fait un sanctuaire de plus. J'y avais pas pensé. Donc je suis en train de péter ma limite à nouveau. Je commence à avoir trop de secteurs. Ce qui demande du coup d'augmenter mes technologies, bien évidemment. Oui, parce qu'on ne va pas non plus abandonner des systèmes en fait. Hein. Ce serait ridicule. Installer une balise de transmigration. Voilà, c'est ça qu'on veut. C'est ça qui nous intéresse. Parfait. Les besoins de l'Académie évoluent, c'est pourquoi j'ai d'autres demandes à vous faire. Afin de poursuivre son développement, ses recherches et ses projets spéciaux, l'Académie a des besoins supplémentaires en brume. Bah écoutez, j'ai de la brume. Je vais me permettre d'en donner 5000. Et on verra comment ça aide ou pas. Tu as construit un avant-poste dans le système de Brilla. Oui, bah si tu veux. Je m'en fous. Très bien. Is ok. C'est qui? Ah oui, c'est toi, c'est le gouverneur. Et ben on va mettre du bonheur en plus. Hop. Donc on n'est plus à 28, on est à 38. Très bien. Très bien. Très très bien. Ici, on crée, hop, on fusionne. Ok. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Exantix, ça level up. Exantix, tu vas prendre du déplacement. Toujours plus de déplacements. Et tu découvres des trucs un peu partout, c'est très cool. Tu vas venir par où? Par là-bas. Tu vas venir par là. Allez. Tu vas te déplacer par ici.
J'ai découvert la planète voile foyer de l'Empire d'Arjna, qui est donc les exilés. Depuis l'orbite, cette planète ne présente aucun intérêt visuel. Nue et stérile, elle semble cuire sous le regard d'une étoile indifférente. L'histoire et la légende veulent toutefois qu'elle ait été l'un des plus grands centres d'études des virtuels, le siège d'une sous-faction couramment appelée la Cabale de la Pensée Pure. Si ces récits sont vrais, la planète pourrait être riche de centres de génération d'énergie, de réseaux, voire d'une infrastructure planétaire de câbles superconducteurs. Tant qu'il n'est pas possible de les rendre visibles, la planète reste quelconque. Ok. Et du coup, voile... j'ai jamais trop su quoi en faire de voile. Après, elle produit bien de la bouffe, hein, ceci dit. Ah ! Et puis, ils ont un mastodonte aussi, les cocos. Ils ont un petit mastodonte des familles, au calme. Très bien. Va peut-être falloir que je commence à me penser un petit peu plus militaire, pour le coup. Non, parce que c'est bien l'exploration, le fufutage, tout ça, mais quand je vois les voisins qui commencent quand même à se chauffer un tantinet... Bon... disons que ça ne me rassure guère. Il y a un moment donné, ça ne me rassure guère. Je ne sais pas trop où aller. Je pense que toi, je vais t'envoyer par là. Ouais, je vais t'envoyer par là, c'est le plus logique. Parce que deux flottes de ce côté-là ne servent pas forcément à grand-chose. Toi ici, bah t'attends encore un tour et tu seras bien. Qu'est-ce que je voulais regarder? Les technos. En vrai, les technos, t'es en train de faire pas mal de trucs. La dissimulation, t'es en 12. Faut que je l'améliore. Je crois que j'ai entendu un bonjour. Attendez, je regarde, hein, dans 5 minutes. Ouais, toi, je veux te mettre en prums. 9 tours. Ouais, mais ça les vaut. L'effet de dissimulation amélioré, ça les faut. Bonjour Marge, j'espère que tu vas bien. Que tu te portes bien, aussi bien que possible en cette belle journée. Ok. Ok, ok, ok. Ici, bon, bah ça non, c'est mort. Ça, ça a été fait. Très bien. Ça, c'est quoi? Oh, les lois. Flemme. Flemme. Faudra probablement quand même que je mette de la recherche et tout à un moment donné. Hein. Faudrait quand même que je mette grave de la recherche en fait à un moment donné parce que je n'en produis pas. Pour l'instant, je ne produis pas de recherche et c'est un problème. C'est un énorme problème. Voilà. On va gentiment commencer à dire en fait, le jeu, je veux produire de la science. Je veux quand même un peu produire de la science. Au moins. Hop. Voilà, on va venir mettre un peu plus proche les sciences. Ça devrait aider. Vous allez aussi bien que possible. Moi, ça passe. Il manque un petit chocolat chaud, mais ça va. Nous, on survit, je dirais. On va dire ça comme ça. Moi, j'avoue que je suis bouffé de névralgie et que c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, mais ça va aller. Malgré les migraines que ça déclenche, ça va aller. Les lois, c'est de droite. Mais oui, certes. J'ai un chat qui fait sa petite toilette derrière. Ici, créer un sanctuaire à Graphias. Eh ben allez, hein, continuons. Faisons des sanctuaires partout. Ici, on peut installer une balise de transmigration. On en profite, on le fait. Nils, à level up. Nils, tu vas avoir quoi? Nils, je ne sais pas quoi te donner. Je pense que le taux de récupération des sondes, c'est bien. Je pense que c'est bien. C'est pas exceptionnel, mais vu ce que t'as de dispo, c'est pas mal. Eleonore, plus de bonheur. Ici, on a fini de prod la flotte. Hop, hop, hop. La flotte ici est prête. La flotte, du coup, de Fury Panda. Petite flotte, pas forcément si exceptionnelle que ça, mais qui va pouvoir envoyer un petit peu du pâté. Et c'est cool. Et c'est cool. Toi ici, tu es pas mal loin.
encore de l'objectif, mais on va envoyer des sondes. On va envoyer des sondes partout. Comme d'hab, on aime tout explorer. On veut tout explorer. On veut tout voir. Voilà. Parfait. Je vais t'envoyer par là. Je vais t'envoyer par là. Ok. Très bien. Ensuite, toi, t'es en attente. C'est normal. Tu bouges pas. Et toi ici, bah, tu ne sais pas quoi faire. Et toi, tu ne sais pas quoi faire. Et ben, on va faire de la pop, hein. Enfin, on va faire du militaire. Je vais transformer de la population en, en troupes. Parce qu'en fait, j'ai trop de flottes à remplir. Donc là, j'ai plus du tout d'armée. Ce qui est un autre problème, du coup. Parce que ça veut dire qu'il faudrait que je fasse plus de bâtiments de guerre pour pouvoir plus facilement former de l'armée. Parce que là, en gros, j'ai des vaisseaux, mais j'ai personne dans les vaisseaux. Oupsie. L'académie a atteint le niveau 5. Incroyable. Vous n'avez pas réussi à détruire les maraudeurs Vaudiani. La quête a échoué. Ah. Oupsie. Vous avez découvert la planète Ekim, foyer de l'empire de Kadem. Les Sophons. Les Sophons ont évolué sur Ekim, un monde rocheux autour d'une étoile bleue. Leur soleil produisant des radiations assez élevées, ils connaissent un taux de mutation et d'évolution rapide. Bien que leur monde soit froid, de nombreuses fissures volcaniques ont créé un réseau de points chauds, oasis, cavernes habitables, où les Sophons ont pu étudier la biologie et la géologie. Ces sources d'énergie naturelle leur permettent de préserver leur atmosphère, ce qui leur a permis très tôt de se tourner vers les étoiles. Très bien. Ok. Ok, les choses bougent. Les choses bougent. Malheureusement, on n'a toujours pas assez d'armées. Donc, je vais continuer à booster ici. Soit ça, soit la science. Ou plutôt la science. J'ai besoin de faire l'armée plus rapidement. En vrai. Toi, tu vas prendre le petit trajet ici. Yop là, bonjour. J'ai découvert une étoile à neutrons. Magnifique. Et je peux venir ici. Pour explorer le système de Akab. Non, attendez. Arkab, pardon. Réflexe. Non, mais ça ressemblait quand même vachement sur le principe, sur le papier. C'était pareil. C'était un peu pareil. C'était kiff-kiff bruico, là. Quand même. Quand même. Ici. Ici, t'es emmerdé, c'est ça? Bah, tu dis que tu t'en fous, en fait. Tu te casses. On est dissimulé, on s'en branle. Hop, je passe le tour. Ah, j'ai pas relancé de... J'ai pas relancé de hacking. Dommage. Ici, je veux soutenir le parti industrialiste. Une fois n'est pas coutume. Pacifiste, militariste et scientifique. Ah, première fois qu'on a du militaire qui passe. À croire que faire des vaisseaux de guerre, ça doit jouer. À croire que faire des vaisseaux de guerre, ça doit un petit peu motiver le peuple que potentiellement on a besoin de plus de militaires. Oupsie. Zbul visuel, mais pas sonore. Voilà, vous avez le droit de faire du zbul visuel, profitez-en. Ça oui. Quatre coopératives commencées. Construire l'académie. L'académie et les héros qui y affinent leurs compétences peuvent inverser le cours d'une bataille, enrichir des systèmes entiers. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que toutes les civilisations de la galaxie désirent en secret comprendre et contrôler cette puissante institution. Mais cette institution a aussi fait savoir qu'elle désire se développer et recruter parmi les civilisations inférieures de la galaxie. Apparemment, le très discret dirigeant de l'académie pense que les plus faibles communautés d'êtres intelligents ne sont pas assez représentées ou prises en compte sur la scène diplomatique intergalactique. Sa requête paraît un peu étrange, mais la satisfaire vous rapporterait sans doute des avantages et des connaissances. À encourager la croissance et la progression des civilisations mineures. D'ici 20 tours, faire en sorte que les civilisations mineures comptent au moins 500 unités de population dans la galaxie entière. Là-dessus, moi, je peux pas trop jouer parce que je n'ai que mon peuple. Je n'ai que mon espèce. Je ne produis pas d'autres gens. Et voilà. Je peux pas faire grand-chose. Donc, non. Bisous, démerdez-vous sans moi. Hop. Parce que si vous venez voir ici, hein, je n'ai que mon peuple. Je n'ai que des... Comment ça s'appelle ? Des cœurs ombrales. À la fois observateur et infiltré, le cœur ombral cherche à comprendre et soigner la galaxie. Voilà, voilà. Je ne peux avoir personne d'autre que moi-même. Ici, bonjour. Pour une quête, je dois analyser quelque chose. Voilà, très bien.
titane. Et la quête a été validée. C'est moi qui ai fait le plus de travail. En fait, on n'est que deux à avoir fait la quête, concrètement. Moi et Kappa. Kappa étant, bien entendu, le peuple de la faille. Donc, on a trouvé les traces. Hein. Il est là, vous l'aviez presque, mais le photo-ruineur a volé un vaisseau de héros particulièrement rapide pour se faire la malle. Les récompenses seront distribuées comme promis, mais la traque n'est pas terminée. Le photo-ruineur est en cavale. Traqué sérieusement pour la première fois, grâce aux efforts conjoints de tous les empires de la galaxie, et en fait surtout du mien et du peuple de la faille. S'il a de moins en moins de cachettes à sa disposition, il possède un très bon vaisseau pour se réfugier. Une coque de héros volée améliorée avec des technologies pirates et quelques accélérateurs de flux Mavros. Son yacht est aussi difficile à saisir que son propriétaire. La chasse s'engage. Trouver et capturer le photo-ruineur sur son yacht personnel, un petit bijou volé à l'académie. Tu es... Ah, oh, mais t'es loin. Hein, bon, voilà. Hein. Écoutez, on va envoyer ce qu'on peut. Hein. On va envoyer ce qu'on peut. Toi, t'as quoi comme puissance? T'as une puissance ridicule. Alors, ceci dit, il a une puissance ridicule aussi. Oh, ça se tente du coup de le choper. J'ai une faute qui est juste à côté. Ça se tente de le choper. Hein. Ouais, non, mais il y a des trucs qui se tentent, hein. Il y a des trucs qui se tentent. Bon, par ici, je vais renvoyer, une fois n'est pas coutume, des sondes. On veut, encore une fois, tout voir autour de nous. J'en profite, en fait, que j'ai des flottes très très loin. J'envoie des sondes dans tous les sens. Comme ça, je me fais plaisir. Et j'aurai une visibilité assez pétée sur la galaxie. Ce qui est très bien. Ce qui est très bien. Toi, tu vas venir par là. Voilà. Et ici, toi, bah, tu vas attendre. Tu vas attendre un petit peu. Alors après, en vrai de vrai, déjà, toi, je peux modifier ton vaisseau. Oui, toi déjà, je peux modifier ton vaisseau. Je peux venir mettre des armes que j'aime, à savoir de l'abordage. Tac, ça, ça me va. Et ça, en vrai, ça me va aussi. Ah non, il me manque des troupes, toujours. Putain, nique. Il me manque des troupes. Je vais vendre eux. J'ai pas besoin de ces vaisseaux-là. C'est des vaisseaux à la con. Donc je m'en débarrasse. Par contre, je manque de troupes. Je manque de troupes. Et je pense que du coup, je vais lui demander de refaire de la pop militaire. Je vais produire des troupes militaires comme ça. J'ai pas le choix. Je vais sacrifier la population pour en faire en fait des troupes militaires. Parce que c'est la merde. Parce que c'est la merde. Donc je vais mobiliser beaucoup de gens. De toute façon, je produis relativement rapidement de la population, donc c'est pas un problème. Mon système mère est déjà rempli. Et les sanctuaires, c'est pas grave s'ils sont pas remplis tant que ça, en fait. C'est pas très très grave. Donc je vais continuer à produire des troupes comme ça. Vous êtes un exemple pour les autres races. Elles aussi parviendront peut-être à retenir leurs élans hostiles. D'accord. Du coup, je peux venir modifier le plan. Ici. Hop. 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 Très bien. Très bien. On est bien. On valide. Voilà. Oh, putain de merde. Pardon, hein. Mais quelqu'un est passé devant moi. Quelqu'un est passé devant moi pour l'objectif. C'est honteux. C'est honteux. C'est totalement et complètement honteux. Je suis dégoûté. Je pense que le Lumeris s'en est occupé au calme. Je pense que le Lumeris en a profité juste avant moi, quoi. Ah, le dégoût est profond. Écoutez, le dégoût est profond, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je vais ramener cette flotte-là à la maison, parce que je vais probablement vouloir l'améliorer un petit peu. Je vais quand même, à mon avis, vouloir améliorer un petit peu. Toi, t'es en attente, c'est normal.
tu bouges pas. Je passe à piratage. Ah oui, j'ai pas du tout de piratage depuis un moment. Oh, quelle idée. Tiens, on va venir refaire du piratage par ici. Je vais rajouter des sanctuaires là où il en manque. Hop, voilà. Voilà. Hop, on va faire quelques petits piratages de plus. On va rajouter des sanctuaires partout où il faudrait que j'en rajoute. Ça me semble bien. Et bonjour, j'espère que tu vas bien, Dorky. C'est bien que possible. Je connais le D10, le D20, mais pas le dégoût. Et pourtant, en jeu de rôle, ça peut arriver vite. Comment te portes-tu, camarade Dorky? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu te portes bien, aussi bien que possible? En tout cas, je l'espère, en cette belle journée. Oh, j'ai mal partout, bordel. J'ai tellement mal partout. Oh... Mon dos est une... Comment dire mon dos est une chips. Une chips douloureuse. Qui craque. Et qui est vraiment pourrie. Vous avez découvert la planète Carcasse, foyer de l'Empire Prédateur. Les Kravers. Construits par les Anglaises virtuelles pendant les guerres de la brume pour servir d'armes. Les Kravers ont éliminé les concrets sur de nombreuses planètes et stations. Mais une fois devenus inutiles, les Andless ont désactivé les usines et abandonné les Kravers après les avoir largués sur les dernières troupes sur Carcasse, une planète choisie au hasard qu'ils ont ensuite bombardée inlassablement pour y faire disparaître toute technologie. Déterminés, les Kravers ont survécu, évolué, reconquis les étoiles en utilisant des technologies de fortune ou dérobées. Voilà. Sympa, hein? Sympatoche, hein? Ça donne envie. Éléonore, level up. On va donner quoi à Éléonore? T'as pas un truc qui permet de faire plus de troupes par hasard? Ah bah voilà. Ça peut être bien ça. Plus de troupes. Allez, go. Faisons ça. Exantix, ça level up. Exantix, on vient lui mettre ça. Tu m'as donné envie d'essayer Endless Space 2. Très bien, parfait. Faites plus dans Endless Space. Endless Space, c'est la vie. J'aime Endless Space et vous devez aimer Endless Space pour votre propre bien. Parce que c'est génial, Endless Space. Est-ce que j'ai déjà dit que c'était bien Endless Space? Non, parce que franchement, dans le doute, vous devez savoir que Endless Space, c'est bien. Hop, venons ici. Venons ici. C'est de la propagande? Non. Un peu? Seulement un peu. Franchement, is ok quoi. Ça va. Il faudrait que je fasse quelque chose, je ne sais plus quoi. Oui, ici. Ah oui, il me faut de la Jade Onyx. Ah, il me faut de la Jade Onyx. Non, attendez, je l'ai déjà fait niveau... Attendez, t'es niveau combien, toi? T'es niveau 3, donc non. En fait, il te faut passer niveau 4. Pour niveau 4, il me faut une technologie que je n'ai pas. Par contre, je viens de me rendre compte que j'ai oublié depuis 3 plombes ça. J'ai oublié de mettre des cargos ici pour produire à balles. Oupsie. Un autre truc, j'ai oublié d'augmenter, bien évidemment... Ici, les taxes. J'aime taxer mon prochain. Voilà, merci. Taxons les riches, bien sûr. Taxons la galaxie. Je viens mettre les impôts à 25%. Voilà. Toute transaction commerciale faite dans la galaxie me rapportera 25% de la transaction. J'aime beaucoup ça. Voilà, donc faites... Faites des achats, faites des dépenses, les gens, ne vous gênez pas, ça me rapportera des ronds, j'aime beaucoup. Si on n'aime pas, on se fait ban. Non, juste je vous juge. Fort. C'est tout. C'est tout. Vous inquiétez pas. Mais c'est le communisme! Non, même pas. Non, là c'est juste pour ma gueule. Je vais me faire des ronds, mais bien comme il faut, sur le dos des empires galactiques. Ah, c'est juste me faire des ronds sur leur dos galactique. Hein. Vraiment là, fais-toi de l'argent au KLM. Hein, c'est bien. Moi j'aime beaucoup. Faisons ça plus souvent. Ok, parfait.
Puis bah du coup on est reparti. Oui mais non, hein, voilà, capitalisme d'état. Ah ouais ouais, hein, là vraiment juste je suis en train de tirer le pognon de l'entièreté des empires galactiques, des gouvernements de la galaxie, juste parce que je le peux. Je le redistribue à mon peuple proprement, hein, mais que à mon peuple, hein, donc c'est pas du communisme, hein, non non, c'est vraiment juste je vous nique. Hop, attendez, je me permets de répondre à quelqu'un qui m'avait envoyé un petit message. J'en suis où, pardon. Créer un sanctuaire, toujours créer un sanctuaire. Très bien. Ah, ici, créer un sanctuaire, hop, voilà, très bien. Jean-Mi à level up, Jean-Mi, tu viens prendre ça, hop, hop. Très bien, ça on s'en fout, ça, hop, on vient là, je remets... plus de militaires, parce que le militaire part à une vitesse incroyable, et vraiment incroyable. Toi, tu vas rester en attente pour le moment. Toi, t'es où? Toi, t'es là. Ouais, mais en fait, tu vas rentrer à la maison, Coco. Tu vas rentrer à la maison. Viens là. Viens par ici. Viens par ici. On en est où, là? Encore 9 tours à attendre. Très bien. Et là, 10 tours à attendre. Ok, très bien. Vous savez où est-ce que je vais vouloir déléporter mon cœur galactique? Enfin, mon cœur d'empire. Je pense que je vais probablement vouloir le téléporter par ici. En vrai, ce serait incroyable. Je pense que je vais venir me téléporter probablement sur RFGC. En vrai de vrai. Ce serait vraiment exceptionnel. 28 tours pour y aller, sachant que je dois passer par des systèmes de Jean-Michel. Mauvais plan. Mauvais plan. Tu veux absolument que je passe par là. Donc, en vrai... en vrai de vrai, je vais d'abord vouloir récupérer des... ouais. Attendez, je réfléchis, hein. Mais je pense que ce qui va se passer, c'est que je vais venir mettre des infiltrés ici. Faire un sanctuaire là. Un sanctuaire là. Un sanctuaire là. Boum, venir faire un sanctuaire ici. Et après, j'irai faire un TP là-bas. Je pense qu'à terme, c'est ce qu'on va faire. On va vouloir aller là-bas. Ça me semblerait génial. Ah! Les infiltrés sont des espions involontaires pour votre empire, placés dans un système ennemi par une opération de piratage. Ils vous donneront la vision du système où ils se trouvent et vous pourrez voler des ressources s'ils sont assez nombreux dans un empire ennemi. Et voyez qu'effectivement, à partir du moment où j'aurai 5 infiltrés dans cet empire, je pourrai détourner 10% de sa production de brume, de ses ressources stratégiques, de ses ressources de luxe. Oh, oh là là! Très bien. Très bien ça, en vrai. Pourquoi j'ai aussi peu d'infiltrés? Parce que le truc, c'est que là, vous voyez que j'ai des sanctuaires. Mais du coup, mes sanctuaires ne sont a priori pas forcément des infiltrés. Genre là, vous voyez que j'ai des sanctuaires. Mais... cliquez pour consommer une population de votre sanctuaire pour créer un infiltré sur la colonie de l'Empire. Oh! D'accord, c'est comme ça que ça marche. Incroyable. J'avais pas compris du tout que ça marchait comme ça. J'avais pas du tout compris que ça marchait comme ça. Parce que là, par exemple, je crois que je viens de faire du coup ici un infiltré. Regardez, maintenant, ça c'est un infiltré. Cette population est un infiltré. Elle apporte à l'autre empire la vision du système, la connaissance du contenu de la file de construction et du hangar et des bonus économiques. Oh... génial. Oh génial. Oh génial. Oh, oh. Oh j'aime beaucoup ça.
Donc admettons maintenant, voilà, j'ai suffisamment de gens infiltrés au sein de l'Empire, du coup, du peuple de la faille, pour lui voler des ressources. Je suis en train de lui phagocyter son empire. Oh, j'aime tellement ça. C'est ça, lundi comme ça, tout ça, tout ça. Hein. Mais genre ici, je peux faire pareil, du coup. Ici, je peux faire pareil, du coup, en fait. Ça va être génial. Ça va être génial, en fait. Oh là là. Oh là là, ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Ok. Ok. C'est quoi le gameplay de ta faction ? Full 5ème colonne ? Qu'est-ce que 5ème colonne ? Le gameplay de ma faction, en fait, c'est que le cœur ombral, c'est une créature qui vient de très très loin, qui vit dans le milieu de l'espace, en fait, là où il n'y a pas de planète, pas de galaxie, pas de vie. On n'a pas de corps, on est littéralement des ombres, et le truc c'est qu'on entend des cris d'agonie venant d'une galaxie, et donc on vient voir pour essayer de soigner les gens, parce qu'on essaye d'aider ce qui souffre. Le truc, c'est qu'en arrivant, on ne comprend pas les entités qui vivent là-bas, parce qu'en fait, nous sommes une seule entité. Et donc, du coup, on voit plein de trucs qui s'agitent dans tous les sens, mais on ne comprend pas que ce sont des individus chacun. Pour nous, on cherche quel est l'individu qui est derrière la galaxie. Et donc, bah, du coup, pendant qu'on est en train d'essayer de comprendre pourquoi il est où l'esprit de ruche qui est en train de gérer tout ça, on se rend compte au fur et à mesure qu'en fait, bah, non, ce sont des vrais gens et chacun sont des individus. Au même titre que nous, on est une seule personne dans plein de corps, en fait, eux, c'est plein d'individus. Et on décide quand même de les aider. Mais du coup, en termes de gameplay, tu es sur un gameplay complètement furtivité. Tu es sur un gameplay où en fait, tu vas t'infiltrer, tu vas observer de loin avant de prendre n'importe quelle décision, puisque tu es censé, RP parlant, regarder, essayer de trouver qui c'est qui souffre. Donc on est vraiment en full furtivité. On va en fait être des parasites qui viennent se mettre dans l'esprit des gens, qui viennent observer ce qui se passe dans l'esprit des gens, pour comprendre les gens en général. C'est pas une ref ouf, la cinquième colonne, c'est l'ennemi intérieur, les traîtres. Ah, d'accord. Et du coup, bah écoutez, ici je pique 20% des fachos. Oh, je pique 20% des ressources des fachos. Mais c'est trop bien comme gameplay, en fait. Je pensais pas à quel point c'était bourrin, en fait. Vous vous rendez compte que j'ai joué plusieurs fois avec le cœur ombral, mais j'ai jamais testé trop tout ce qui est espionnage, parce que j'aime pas trop le gameplay espionnage à la base. Et en fait, je me rends compte que c'est d'une puissance phénoménale. C'est d'une puissance phénoménale, en fait. C'est incroyable. J'aime beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Très bien. Très bien, très bien. On continue à passer le tour. Ça va être exceptionnel. Ça va être exceptionnel. Je vais commencer à phagocyter tous ces gens Michel là. Ils vont rien comprendre. Ils vont rien comprendre. Donc en fait, mettre des sanctuaires, c'est qu'une première étape, quoi. Concrètement, c'est qu'une première étape. Ce qui est intéressant à savoir. Et au fur et à mesure, tu commences en fait à transformer tous tes... traçage hostile détecté, affiche le lieu. Ah. Donc attends. Il va te falloir combien de temps pour remonter ? Il va lui falloir combien de temps pour remonter ? Est-ce que là, il lui faut un tour pour remonter ? Je sais pas combien de temps il va lui falloir pour remonter la piste. Parce que j'ai bien envie de tester quand même de laisser faire le traçage. Hein. Je pense que je vais laisser le piratage se dérouler. Hein. Je pense que je vais dire TKT, ça passe. Hein. On y croit. Hein. On y croit, on y croit. Je pense que je vais y croire, je vais laisser faire le piratage. Niveau piratage d'ailleurs, je pourrais en relancer un quelque part. Alors du coup, moi, ma tâche prioritaire, si vous regardez, en fait, c'est de m'assurer qu'il y a des sanctuaires sur chacune des planètes.
Vous voyez que j'ai pas mal de territoire, mais bah, notamment Mrigashi. Mais je suis déjà en train de avec quelqu'un à Mrigashi. Je peux le faire une deuxième fois. Alerte doublon, vous piratez déjà. D'accord. Ok. Je vais demander est-ce que je peux le pirater une deuxième fois pour pouvoir mettre deux sanctuaires, mais non, je vais devoir faire une à une. C'est pas grave. C'est pas grave. En vrai, par contre, ce que je peux faire, c'est qu'ici, Dakel, je vais envoyer vers Liekim. Et je vais essayer de commencer à pirater un petit peu le persistant. Je vais commencer à essayer de pirater le persistant. Ça pourrait être bien. Ça pourrait être très 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 bien. Parce que du coup, tu peux tellement piquer des ressources à tout le monde, ça va être phénoménal comme gameplay. Ça va être phénoménal comme gameplay. Parce que là, vous voyez que j'ai des sanctuaires quand même beaucoup. Et au fur et à mesure que le peuple de la faille est en train de prendre tout ce territoire, bah en fait, il va me laisser énormément de ses ressources. Parce que je vais pouvoir infiltrer beaucoup des siens. Très salement, très violemment. Hop. J'adore la musique. J'adore la musique du jeu. Je suis en train de me dire, j'ai raté la coupure de VOD. Ouais, traçage hostile détecté, mais on s'en fout. Là, je crée un sanctuaire. Hop, incroyable. Ah, j'ai été repéré par contre ici. Ok, donc c'est en un tour qu'il m'a détecté. Très bien. Donc quand je vois qu'il a le truc qui remonte, c'est que c'est en un tour qu'il est en train de me choper. Très bien. Très bien. Donc là, admettons ici. A priori, il me détecte en un tour. Si je comprends bien, ici, il me détecte en un tour. Donc il faut que je l'arrête. Pour moi, il faut l'arrêter. Je crois que c'était plus les Horatius, les nazis de l'espace. Ah non, le peuple de la faille, c'est pas des nazis, hein, c'est juste des mecs qui essaient de survivre. Non, non, les nazis, c'est l'Empire humain. C'est l'United Empire qui est en train de tuer tout ce qui n'est pas lui, et qui est une vraie saloperie, en l'occurrence. Qui est une vraie, vraie saloperie. C'est lui le nazi qui me saoule. Et qui m'a déclaré la guerre, en fait, il y a trois plombes. Juste parce que j'existe et que ça lui plaît pas. Concrètement, bah, je lui dis, en fait, non. En fait, non. On va pas faire ça. On va pas faire ça. Attendez. Corvus. Et ici, en deux tours, ça se tente. Vas-y. On va aller sur les SAT, commencer à poser des trucs. Ok. Ok. Et ici, fil de construction en attente. On va remettre du militaire. Très bien. On demande à des vaisseaux de se déplacer. Toi, tu restes en attente pour l'instant, c'est normal. Tu bouges pas. Tiens, oh, toi, tu es rentré à la maison. Alors, fais voir ton vaisseau, toi. Et effectivement, tu n'as pas ce que je veux. Tu n'as pas encore ce que je veux. Donc, on va venir le déplacer, le changer. Ça c'est pas mal. Et ça c'est pas mal. On peut valider le plan comme ça. Les accords sont bien. Je vais vérifier quand même. Mais normalement ils ont ce qu'il faut, hein. De toute façon les mises à niveau, on les verrait tout de suite. Par contre là je vois que j'ai des emplacements qui ont été ouverts. Ah bah oui, j'ai débloqué une technologie pour mettre plus d'emplacements. Et bah écoutez, on en a jamais assez. Donc on va rajouter de l'abordage. Et ici, on va remettre du déplacement. Que tu montes à 8, c'est bien. Que tu montes à 8, c'est bien. Et puis on va te mettre du bouclier. Voilà. Un peu de bouclier, ça fait pas de mal. Ok. Toi, je peux pas avoir un autre module, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. T'as un peu des deux, très bien. Et ici, je pourrais te rajouter plus de déplacements. Ce qu'on va vouloir. Plus de déplacements ici. Et je pourrais te rajouter autre chose. Qu'est-ce que je peux te rajouter qui m'intéresserait?
Augmentation de la destruction de l'équipage de la flottille. Ouais. Ça, c'est déjà plus intéressant. Cartouche au titane air-sol pour quand je vais tenter d'envahir, dérouler un petit peu plus les ennemis sur les planètes, c'est bien. Et ici, je vais vouloir augmenter un peu ma protection. Je vais remettre un deuxième de titane. Voilà, un truc comme ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Je vous laisse des bisous, je vous souhaite des boissons chaudes, des plaids et une compagnie douce et fluffy. Ah ouais, ça a l'air bien ça. Et plein de love sur vous. Et ben, des bisous à toi Nils, merci beaucoup d'avoir été là en tout cas jusqu'à présent. Et passe une excellente fin de journée, en tout cas aussi bonne que possible. Et bonjour Antipé, j'espère que tu vas bien, aussi bien que possible justement. Je viens lurker en travaillant, comment ça va? Alors nous ici, on est en mode cassé. Donc on a de la névralgie, on a l'entièreté du haut du dos qui est coincé. Du coup on a une migraine dans la joie et la bonne humeur. Parce que voilà, autant bien commencer la semaine, hein, n'est-ce pas? Mais du coup, on s'amuse sur Endless Space, tranquillement, mais sûrement. On est en train de faire un joli petit empire. Enfin, empire. En vrai, on n'est pas un empire, puisqu'on n'a qu'un seul système. On est en train d'observer ce qui se passe aux alentours, et on essaye de soigner les gens de leurs souffrances. Sans truc malsain, je tiens à préciser, hein, parce que parfois, souvent, il y a des RP un peu malsains dans les jeux de 4X, les jeux de conquête spatiale, souvent le tenter d'arrêter les souffrances des gens, c'est un peu sale. Là, pour le coup, c'est pas du tout le cas. On est un esprit qui est vraiment sympa. On est un esprit de ruche, à la base. On est le cœur ombral. Et en fait, on est une entité qui avons entendu un cri d'agonie. On a entendu des espèces, on a entendu toute une galaxie en train de souffrir. Et on s'est dit, ben, en fait, on peut pas rester dans l'inaction. On va aller voir ce qui se passe dans cette galaxie. On va essayer d'aider qui on peut. Et en fait, quand on arrive dans cette galaxie, on se rend compte que c'est un bordel sans nom, que tout le monde est en train de se foutre sur la gueule, que vraiment, il y a de la merde dans tous les sens, et nous, on est là en mode, bon, comment on fait, en fait? Parce qu'on sait pas trop quoi faire. On veut aider, mais on sait pas quoi faire. Et donc, on se planque, parce qu'on est une espèce qui n'a pas de corps, on est que des nuages, littéralement, on est des ombres, au sens littéral, on est juste une espèce constituée d'ombres. Et du coup, on se dit, bon, bah, on va se planquer, et on va regarder ce qui se passe, et on va essayer de comprendre qui fait quoi, et intervenir, pour essayer d'aider comme on peut les gens. Et donc là, on a fini notre quête d'histoire de notre faction, parce qu'il y a plusieurs systèmes d'histoire, on va dire, qui vont être à différents niveaux. Nous, là, on a fini la quête de notre histoire particulière de notre faction, à savoir, est-ce qu'on décide de rester une entité dans plein de corps, ou est-ce qu'on décide de devenir toute une espèce, plein de corps partout, plein de gens, plein d'individus, parce qu'à la base notre espèce c'était ce qu'on appelle un esprit de ruche, donc un seul esprit dans plein de drones différents. En l'occurrence, le gameplay qu'on a fait, c'est de choisir qu'on allait devenir plein de gens. Oula ! Bah bonjour ! Et un raid au passage. Du coup, je vais réexpliquer qu'est-ce qu'on fait. Mais bienvenue, merci beaucoup pour le raid. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, aussi bien que possible dans cette belle journée. Pas belle journée, il pleut. Mais j'aime quand il pleut. Vulgadora, c'est bien quand il pleut. La forêt avec 40 spectateurs. Oui. Bienvenue. Installez-vous, mettez-vous bien, profitez. J'espère que vous vous portez bien, aussi bien que possible dans cette belle journée. Bienvenue à vous. On est en plein Endless Space. Du coup, je vais faire le re-récap. Nous sommes des nuages spatiaux, et on essaye d'aider les gens parce qu'ils souffrent. Voilà, je vous ai fait un résumé minute. Et du coup, on observe ce qui se passe dans la galaxie, on est en train de se planquer dans les ombres, et parfois un peu dans la tête des gens, parce qu'on n'a pas de corps, donc on peut squatter littéralement la tête des gens, on vient se cacher dans leur cerveau, et on essaye de les aider, on essaye de voir s'ils vont bien. Voilà. Tu dois 4 heures de sommeil que j'ai passé sur Stellaris ce week-end. Non, mais moi, je dois rien du tout. Hein. Stellaris, c'est le meilleur jeu du monde, c'est tout. Hein. C'était un peu plus complet tout à l'heure. Oui, mais écoutez, tout le monde ne peut pas être privilégié. Je suis désolé, voilà. Vous avez des gens comme Antipé qui ont eu le droit à avoir l'entièreté du pourquoi du comment. Là, je fais un résumé minute parce qu'on venait de le faire 30 secondes avant. Juste avant le raid, j'ai fait un petit récap de qui que quoi. Je vous avoue que du coup, j'ai un peu la flemme de vous repasser 5 minutes à vous expliquer exactement tout. Mais en tout cas, bienvenue. Merci beaucoup pour le raid. J'espère que ça s'est bien passé, votre petit live. Tout est de ma faute. Ah non, pas du tout. C'est pas le propos. Non, c'est juste que j'ai la flemme. Ça fait plusieurs fois depuis ce matin que je réexplique tout.
Donc du coup, j'avoue que j'ai la flemme. En fait, faut savoir pour les gens qui arrivent avec le raid, malheureusement j'ai des gros problèmes de santé. Et là notamment, j'ai passé tout le week-end à être bloqué au niveau du dos et plus particulièrement au niveau de la nuque parce que j'ai des névralgies. Et du coup, ce matin, dans la joie et la bonne humeur, donc non seulement je suis toujours bloqué, hein, parce que sinon c'est pas drôle, mais en plus de ça, ça m'a coltiné des magnifiques migraines. Donc là, en fait, j'ai extrêmement mal au crâne, même si j'ai pris des cachets, même si j'ai essayé de décoincer un peu le dos avec du Flector, enfin bref. De faire ce qu'il faut. Le problème, c'est que mon crâne est un peu HS. Donc, je vous avoue que répéter encore et encore, un peu la flemme. Mais plein d'amour sur vous. Vraiment plein d'amour sur vous. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Si vous ne me connaissez pas, moi, c'est Résu. Donc là, aujourd'hui, vous ne voyez pas ma tête parce que je suis dans un état zombiesque. Et donc, en tant que bon zombie, je préfère rester dans mon coin. Voilà. Donc, je n'affiche pas ma tête. Aujourd'hui, c'est assez exceptionnel. Normalement, j'ai toujours ma caméra, mais là, la flemme. Et donc, du coup, on est sur une chaîne qui fait beaucoup de trucs. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, on fait beaucoup de politique, beaucoup de jeux vidéo, beaucoup de jeux de gestion stratégie, principalement. Beaucoup de jeux de rôle. On fait pas mal de vulgarisation de sciences humaines et sociales. D'ailleurs, au passage, je me permets de rappeler qu'on a un objectif de follow. Si j'atteins les 1500 follow, et on est vraiment pas loin, je dois normalement faire du Elden Ring. Enfin, voilà. Donc, on est vraiment pas loin. Je crois qu'il manque... très très peu. Si je viens voir là, bon, alors du coup la caméra là qui est allumée, en fait c'est la 4cam. Normalement vous êtes censé avoir des chats extrêmement gentils et adorables qui sont censés être tout mignons et se mettre bien visibles. Ils ont décidé que non. Voilà, évidemment les chats c'est traître, hein. C'est ces sales traîtres qui ne veulent pas m'aider à mettre en avant la chaîne et tout. Oh là là, même pas ça aide à faire le quota mignon, quoi. Bref, comme vous le voyez tout en bas, au milieu, vous avez un objectif de follow. On est à 1489. Dans 11 personnes, dans 11 follow, il va falloir que je fasse du Elden Ring. Ça va très bien se passer, j'ai foi en moi, bien sûr. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer, bien sûr, sur un Elden Ring? Franchement. Touf, je reviens ici. Voilà. Ces chats de droite qui veulent pas faire de bénévolat. Mais oui, non, mais le chat qui est en plus sur le lit, juste à côté, en train de taper sa meilleure sieste, quoi. C'est honteux. Il pourrait faire un petit effort, franchement. Quitte à être dans le lit, il pourrait se décaler un tout petit peu. Juste un tout petit peu. Pour se mettre sur le pouf. Mais non. Flemme. Ils ont pas envie. Du coup, pour reprendre où est-ce qu'on en est. On est en train de faire des vaisseaux. Je suis donc le petit nuage qui vit ici. Donc ça c'est mon système. Je n'ai qu'un seul et unique système en tout et pour tout. J'ai ces espèces de stations. C'est des structures très particulières parce que j'ai pas de corps. Comme j'ai pas de corps, ce sont des stations en fait qui sont en partie immatérielles. Parce que ben, j'en ai pas besoin en fait, hein, tout simplement d'avoir un corps. Enfin, encore une fois, je suis un nuage, donc flemme. Je suis planqué, c'est-à-dire que pour la quasi-totalité de la galaxie, en fait, mon système mère, ça ressemble juste à genre un trou noir. Pour la plupart des gens, mon système mère, ça n'existe pas. C'est juste un truc spatial sans importance. Je suis la seule personne qui voit que, en fait, dedans, il y a des structures. C'est un DLC, c'est le DLC Penumbra qui rajoute la faction Cœur Ombral, donc faction uniquement basée sur le gameplay de l'espionnage et du fufutage. Donc nous sommes des ninjas, voilà, nous sommes le fufutage. Je suis avec au-dessus de moi les persistants étant des fougères de l'espace qui se rendent compte que beaucoup de gens sont en souffrance et qui ont envie d'aider un petit peu, de filer un coup de main aux gens. Là au sud et un petit peu à gauche en bleu, c'est le peuple de la faille, ce sont des êtres dimensionnels, leur galaxie, leur dimension est en train de se détruire, donc ils sont en train d'essayer de survivre en venant chez nous. Parce que, bah, en fait, ils peuvent pas vivre là où ils étaient. J'ai déjà fait le gameplay avec les fougères. En fait, faut savoir que sur la chaîne YouTube et sur la chaîne Twitch, j'ai un objectif qui est de faire un gameplay avec chacune des factions de Endless Space et Endless Legend. Et donc, du coup, on a déjà fait le gameplay avec le peuple de la faille, on a déjà fait le gameplay avec les persistants, on a déjà fait le gameplay avec les exilés, on a déjà fait le gameplay avec les sauffons, on a déjà fait le gameplay avec qui d'autre? Je crois qu'on a fait un gameplay encore avec quelqu'un d'autre, mais je... Ah oui, avec les Horatio aussi. Et donc là, on est en train de faire le cœur ombral, et je crois que c'est tout, hein. Je crois que c'est tout pour l'instant. Mais au fur et à mesure, on essaye de faire des gameplays avec chacun des peuples. Donc les persistants, on a déjà fait. Ça s'est très bien passé d'ailleurs. On a fait une victoire sans le vouloir.
Alors oui, tiens, ça c'est un autre élément qui doit être pertinent pour les gens qui arrivent, pour ceux qui ne connaissent pas trop la chaîne. Donc je fais souvent donc des jeux de stratégie gestion. Et je suis quelqu'un qui passe un temps phénoménal, hein, vraiment, je suis quelqu'un qui passe un temps phénoménal à dire que je suis extrêmement pas doué. Je suis vraiment une des personnes les plus mauvaises en termes d'optimisation, etc. Mais je suis également une personne où le chat me gueule un peu dessus parce que j'ai une tendance très récurrente à gagner par erreur. Oui, oui, on peut gagner par erreur. Oui, parce qu'en fait, en tant que personne absolument pas, comment dire, douée, en tout cas qui pense ne pas être douée, je gagne quelque chose comme environ 9 parties sur 10. Mais n'oubliez pas que je ne suis pas doué. Et sans faire exprès, à peu près 7 fois sur les 9. Parce que je me rends pas compte que, en fait, je suis en train de faire les merveilles qui permettent de gagner. Parce qu'en fait, je me rends pas compte que j'ai récupéré les planètes mères des différentes factions. Parce que je me rends pas compte que, en fait, j'ai fait des alliances avec toute la galaxie. Hein. Voilà, voilà. Ce sont des choses qui arrivent. Je suis une personne qui estime vraiment être très mauvaise et pourtant, je gagne très souvent par hasard. Voilà, ça me fait beaucoup rire. D'ailleurs, faut savoir que j'ai de très bons liens avec Amplitude, donc le studio qui fait les jeux Endless Space, Endless Legend, etc. Et c'est déjà arrivé que j'ai des développeurs du jeu qui passent notamment sur mon Discord. Il y a un développeur une fois qui est passé sur mon Discord pour me dire qu'il appréciait beaucoup ma manière de jouer parce que justement je joue très roleplay, je joue très de la manière dont le peuple est censé jouer, etc. Et du coup, je gagne sans le vouloir, sans faire exprès. Parce que juste, je joue en étant contente de jouer. Là, moi, je suis en mode, je vais faire mes petites constructions. Ah, c'est trop cool et tout. Et en fait, ça fait du vrai gameplay, quoi. Non, le pire, c'est que c'est même pas une question de chance. Hein. Non, c'est que je vois une menace, j'élimine la menace. Et généralement, je sais comment faire pour éliminer la menace. Même si j'ai toujours l'impression que je joue très mal. Parce que je sais que j'optimise pas les choses en fait. C'est-à-dire que je vois qu'est-ce que je dois faire pour optimiser, mais j'ai pas envie de le faire parce que ça me sortirait du roleplay. Mais pour autant, je prends des décisions qui sont relativement pertinentes en général quand il y a des crises qui se passent. Alors ça m'arrive de perdre un peu plus sur un Stellaris. Bon, en même temps, Stellaris est un jeu qui est quand même très différent en termes de gameplay, qui est beaucoup plus difficile parce que c'est pas du tout la même chose. Mais c'est vrai que sur un jeu comme un Civilization, comme sur un Endless Space, un Humankind, etc. Là, par contre, généralement, je roule sur les jeux parce que même si je joue très roleplay, je vois une menace, je vais mettre un fond de défense, en fait. Et il y a plein de moments où il va se passer des bricoles. Enfin, je sais qu'à un moment donné, on a joué avec les Horatio. On a fait le gameplay Horatio, qui est littéralement un gameplay où tu es censé être un artiste. Bon, t'es un artiste mégalomane, mais ça, c'est encore autre chose. Et donc, du coup, à un moment donné, je ne faisais que des jolies choses, je ne faisais que des bâtiments, du développement économique, etc. Et j'ai un peuple guerrier, les Issos, qui vient tranquillement me dire « Mais en fait, on va te raser, on va piquer toutes tes planètes parce que de toute façon, t'as pas d'armée. » Et moi, je lui dis « D'accord, d'accord. » Sauf qu'il faut pas oublier un truc. Pour faire des bâtiments, il faut de l'industrie. Si l'industrie, elle sert à faire des bâtiments, ça veut dire que votre industrie, elle peut très probablement faire des vaisseaux très vite aussi. Et donc, en l'espace de 2 tours, je me suis retrouvé avec la plus grosse flotte de toute la galaxie. Alors que le tour d'avant, j'étais l'empire qui avait le moins de force de flotte de toute la galaxie. Donc littéralement, je suis passé du dernier au premier en termes de score militaire. Et les ISO étaient là en mode « Ah !»« Ah !» En fait, est-ce qu'on peut discuter ? Et j'ai pas discuté avec eux. J'avoue que je n'apprécie pas qu'on me menace. Moi, quand je vois des fascistes qui viennent et qui me disent « Oui, alors en fait, on va te casser la gueule !» et que d'un coup, ils se rendent compte que finalement, non, ils peuvent pas, et qu'ils me disent « Ah, viens, on fait la paix !» Non, en fait. Non, on fait pas la paix avec des fachos. On détruit des fachos. On mange les fachos, on les met en morceaux, on prend leur territoire et on leur apprend à ne plus être fachos. Oui, parce que je garde les populations quand même, je suis quelqu'un de sympa. Juste, je détruis les gouvernements fascistes. C'est tout. Après, j'accepte tout le monde au sein de mes peuples. Aucun problème, on peut être tous ensemble. Mais par contre, les gouvernants fascistes, ils disparaissent. Voilà. Bienvenue. Si vous ne saviez pas où est-ce que vous étiez, voilà, bienvenue. Et du coup, bonjour à toi, Féloutier, j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. Au passage, j'en profite que je suis tranquillement en train de blablater. Il faut que je coupe la VOD depuis 3 plombes, je ne l'ai toujours pas fait. Je vais juste faire un shoot-out. Hop, un petit shoot-out pour quelqu'un de qualité. Nous avons dans le chat Antipatriarcam qui arrivait juste avant le raid. Si jamais vous ne connaissez pas Antipé, bah déjà, honte sur vous.
Voilà, oui, je vous shame sans aucune pitié. Vous devez connaître Antipé, c'est une personne de très grande qualité, qui fait du travail de très grande qualité, et notamment qui a une boutique, et a priori, actuellement, Yael est en train de travailler dessus. Donc n'hésitez pas à aller mettre un petit follow chez Antipé, et bien évidemment, un shoot-out pour Vulgadroit qui va se déclencher juste après. Si vous ne connaissez pas Vulgadroit, et ben on va parler de droit, hein, voilà, et on va vulgariser autour, on va parler d'espace, pas du tout, parce que je vois le titre du live, bien sûr. Ah, je suis fatigué. On va parler de politique, mais bon, normalement, la plupart des gens connaissent Vulgadroit, donc normalement, vous n'êtes pas trop perdu. Mais au cas où, pareil, shame on you, si vous ne connaissez pas et si vous n'avez pas mis un follow chez Vulga, et ben vous devez y aller, hein. Non, mais là, c'est la compta, c'est chiant. Ouais, non, c'est chiant la compta. En l'espèce, je connais pas bien, mais quand tu veux, on fait du Humankind. Bah, j'avoue que je joue pas trop en multi depuis quelques temps parce que j'ai vachement défoncé mon quota social, en vrai. Mais sur le principe, pourquoi pas? Encore que Humankind me parle beaucoup moins qu'un Endless Space ou qu'un Endless Legend. J'aime beaucoup hein, en soi Humankind, mais vraiment à petite dose. Vraiment à petite dose. Ah bah tiens, Plantophage, bah c'est l'occasion, allez, c'est le moment des shoot-out. Pareil, shoot-out. Oui, je parle très très bien anglais, bien sûr. Planto, si vous connaissez pas Clint, donc Plantophage, c'est une chaîne et notamment un compte Twitter, en tout cas pour la durée de vie de Twitter variable. Vous avez beaucoup de vulgarisation autour du monde agroalimentaire, on va dire, agriculture, tout ça. Donc n'hésitez pas à aller mettre un follow pour avoir un petit peu plus d'éléments là-dessus. Vous pouvez soutenir la personne sans aucun problème, les yeux fermés. C'est quelqu'un de bien et donc bah, je vous le recommande fortement. Sur ce, j'ai absolument pas coupé la VOD YouTube depuis très longtemps. Donc là actuellement, l'épisode du Let's Play pour YouTube fait 1h et 41 minutes. Ça fait un gros épisode, moi qui essaie de faire normalement des épisodes d'une heure. PTDR. Fougère de YouTube, des bisous, à très bientôt pour la suite et à tantôt. Ciao.